plaisir. Ce sera l'épisode 34. Je m'en mets bien. Clac. Excusez-moi, je fais mes notifications. Star Valor. Et voilà, ça fait mal dans le chat, je suis désolé. Et bonjour à tous, bienvenue sur Star Valor. On a quitté avec tristesse Elite Dangerous. Et comme il reste un peu de temps, on va faire le 34e épisode. Bon, la mission continue, on va charger la partie. Ça change complètement, ça ne bug pas, là ça passera. C'est triste. Niveau 26, c'est bien celui-là. Hop, je vais arrêter d'essayer à côté pour faire toutes sortes de trucs. Et oui, bonjour VOD, bonjour YouTube. Bonjour à Sored, à Tranquille, à ceux qui sont encore là avec moi dans le chat. Et je suis en QWERTY. On est bon, donc on est toujours avec notre vaisseau minier, la mule. Un système qui n'est pas encore complètement exploré. On est là, station civile 14. On a un champ de débris. Minerai très pauvre. Non, 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 mais oh, sérieux? Putain, j'ai tiré avec le Vengi. On le touche? Je suis en mode statique, je bouge pas, je suis en mode feignant. Bon, ça va. On arrête de le cibler. On accoste. Bon. On a un vaisseau, le Zip. Okay. Le Zip qui est vert, en niveau. Canon à ion, petit lance-missile. On a Zoé Davis qui est blanc. Zoé qui est là pour miner, puisqu'apparemment il n'y a que des rayons laser de minage. Albert Hawking qui est vert aussi. Canon à rafale, rayon à ion et anti-missile. Avorion, non, je n'ai pas testé. Hélas pour vous, vous serez frustré, je ne teste pas tout. Et j'ai un vaisseau qui s'appelle le Faucon. Donc j'ai 2, 3 vaisseaux de combat. Un de minage en aide avec la mule. Et moi j'ai quoi? En auto, laser moyen, le rayon Mengi, non. On peut le garder en combat rapproché si on a un gros vaisseau ennemi. J'ai des gens ici dispo. J'ai quoi? J'ai un pilote, un mitrailleur, un ingénieur et un superviseur. Et on est full partout. À Vorion, je crois que j'ai connu quelqu'un rapidement, un youtubeur qui démarrait, qui a fait ce jeu-là. Ah, j'ai oublié son nom. Et on va regarder nos stocks. On va vendre les lance-missiles, puisque je n'ai pas de lance-missiles. Ah si, j'ai un pulson. Oh, on va en vendre 48, ça va pas vite, faire de la place. Mission pour canon, on va vendre. Pour Vulcain, on vend. Composants de base, on range pour fabriquer des trucs. Et on est nickel. On a de la place à gogo. On peut pas faire de plus. Ici, on pourrait faire un kit vert, bleu. Ah, on pourrait améliorer un peu le vaisseau. L'armure de l'yttrium, on pourrait l'améliorer. Voilà. Et j'ai appris comment passer en couleur violette, du coup, ce sont des reliques HP. Mais oui, c'est Kin, merci Soren. Plus de nouvelles de Kin, je ne sais pas ce qu'il fait. Et comment je l'ai connu, ça va être avec Fea et Slan, j'avais dû le rencontrer. On avait dû faire un Stellaris ensemble il y a très longtemps. Un coup de distorsion, on va améliorer le guidage. Guidage 3, c'est top. On est bon. Est-ce que j'ai des missions en cours? Je sais même plus où j'en suis. Oh là là, provisions nécessaires. Des médicaments, des purificateurs. On va abandonner tout ça. C'est un peu n'importe quoi. Pirate notoire, on peut garder. Transporteur recherché, viande animale. Ouais, on va pas se prendre la tête. Ici, on n'a pas de pirate à tuer. Si je regarde la carte galactique... Oh, il y a même un boss à tuer, mais c'est un peu chaud.
D'accord. Et on va dans les missions. Donc, transporteur recherché ici, partie de drone. Pour des tout petits trucs, ça m'intéresse pas. Et là, on pourrait tuer un pirate. On va l'accepter. Et est-ce que mes vaisseaux ont des choses dans leur soute? Mais oui, c'était un multiservice. Mais ça remonte à loin, tu vois. J'avais complètement oublié. On a joué une seule fois ensemble. On va garder les cieux d'énergie. Du coup, on libère tout le monde. Avec moi, la flotte. Qu'est-ce qu'on va faire? On va libérer le brouillard de guerre. On va continuer à explorer. Et j'ai une vitesse de pointe 50-60. C'est pas mal. On a un peu de pognon. On va essayer de monter un petit peu. Oh là. Je crois qu'on a un problème, Houston. Allez, on va se battre. Aussi. Et on a même des drones de réparation. Ma flotte tient, hein. Incroyable. On a poutré plein de pirates. Je suis poursuivi par un missile. C'est bon. Bon, on n'est pas si nul que ça maintenant. Alors, Star Valor, moi c'est le jeu qui m'éclate aussi énormément. Je suis désolé de vous l'imposer, hélas. Mais il est super sympa. Le but c'est d'avoir un énorme vaisseau capital. D'avoir plein de petits vaisseaux qui accostent. Là, on est tombé sur une flotte de pirates. On les a tous explosés. Un champ de débris. On va aller voir. Ok, on a le bonus. On a le niveau technologique pour. De la ferraille pour faire des composants de base, pour améliorer les kits, tout ça. On va explorer par ici, tiens. On va faire... ce petit brouillard. On va explorer le système et on bougera. Tranquille. Bon, Stellaris, cool. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Et Elite Dangerous, eh ben, je suis tellement frustré. Je ferais peut-être un tournage VOD, du coup, quand même. Histoire de voir quelque chose. Attends, il y a des débris, là. Je vois rien. Ah, il est là. C'est dommage, parce qu'avec vous, ça aurait été marrant en direct. C'est vrai, tranquille, j'impose rien. Mais je peux comprendre votre frustration. Hein. Je le suis aussi. Pourtant, en mémoire vive, tu vois, je suis à 32 gigas. Je suis pas trop inquiet de ce côté-là. On est bon. Après, est-ce que Twitch a des soucis? Je sais qu'hier soir, donc du coup, il y avait plein de gens qui avaient des problèmes. Il fallait recharger sans arrêt l'écran. Pas tout le monde dans le chat, ça allait à peu près. Là, il y a quelque chose au radar. Renfort de coque amélioré, cool. Bon, on va faire le bas de la carte. On va ranger le drone, tu m'as réparé, c'est cool aussi. Donc ce jeu-là, par contre, bah, la manip, c'est bon. Ah, j'ai gagné un niveau supérieur. Oh, on va poser un point. Je suis pas dans les affaires pour l'instant. Minage précis. Dureté, plus 20%. Déflecteur au top, armement, artilleur. En énergie, je suis bon en stockage, 123. On a beaucoup de débris. On va mettre des points un peu dedans. Et puis après, on partira peut-être sur le minage précis. En stat. Niveau tech, voilà, démonter les objets. Il faut que je monte jusqu'au niveau 20. Là, je suis pas tout seul. Un jour, j'aurai un vaisseau assez fort. Je pourrais monter mes dégâts. Je suis sûr que ça fait pas mal de choses. Et quand je tape des ennemis, j'augmente mon niveau de commandant de flotte. Je suis monté à 18. Je suis à 36. Bientôt, on va avoir le dernier minerai des cristaux rouges. Enfin, dans les astéroïdes rouges, qu'est-ce qu'on va avoir?
Et dans les verts, il nous en reste encore deux à trouver. On va monter jusqu'au niveau 42. Ok. Voilà, et quand on explore un système, on gagne des bonus en distorsion. Ça coûte moins cher pour se déplacer en système. Story de là où on remonte. Oh, on peut remonter. On va faire par bande d'exploration. Allez, Zoé, Francis, Madison et Albert, suivez-moi. Faudrait que je vois si je peux pas les renommer. Imagine. Faudrait que je regarde, tiens, si je peux vous donner vos noms dans mes équipages de flotte. Je pense pas. J'aurais vu l'option au bout de 30 épisodes quand même. Ok, là on est bon. On va éviter la porte de transfert. Sauvengi. Et on vire à tribord. Pas de pirates. Et quand on sera fort, on va attaquer les aliens, on va les poutrer de la galaxie. Les pirates, pareil, on va détruire les stations, parce que j'ai appris apparemment que si on les détruit, elles ne reviennent pas, c'est cool. On va descendre vers les mercenaires. La rotation est excellente, hein. Faudrait que je vérifie le gyroscope, mais la mule qui est un gros vaisseau, il tourne vachement bien. On retrouve le petit alien. C'est vrai qu'on pourrait stalker les aliens pour le fun. Hein. Quelque chose ici. Du gallium. Allez, on repart dans ce sens-là. On va pas laisser toute cette bande de brouillard de guerre. Plus que ce petite tâche-là. Et hop, on redescend. Je suis bien axé, ouais. En plus, on a un champ de débris à voir. On va remonter après par là, ok. Même pas un champ d'astéroïde, rien à gratter. Ma soute est vide. Ça se passe, ouais, c'est épais. Oh, on a personne qui nous agresse, hein. Station spatiale découverte, une station civile. Juste pour voir comme ça. L'équipage. Dalila Robinson. Sérieux? On va l'appeler Osef, c'est un test. Ah oui, je suis en... Ah, je peux renommer. Madison Robinson, qui gère le petit vaisseau là? Non, je peux pas le renommer, lui il est déjà là. Ah oui, mince! Pas renommer un capitaine en place. Ah si, on peut définir le surnom. Eh ben écoutez, Zoé Davis, définir le surnom. Qui veut le vaisseau minier? Donnez-moi le nom dans le chat. Qui veut son nom pour le petit vaisseau minier qui m'accompagne, qui va remplacer Zoé Davis? Ce sera mon escorte de minage. Quelqu'un est intéressé? Les gars sont partis au café, nous sommes seuls dans l'espace. Ouais, Soren, t'es motivé? Bah écoute, ce sera pour le fun. Est-ce que Soren Dogma, on le fait détacher ou pas? Parce que tu l'as attaché en fait dans ton chat. Est-ce que comme ça, ça te va? Et on a Soren Dogma qui m'accompagne. J'ai un petit vaisseau de combat là, c'est le Faucon.
Juste Soren. Ok. Ok, ok. Donc on a le Beetle, le Faucon et le petit Zip. Tranquille, ne réagit pas. Si Tranquille ne parle pas, je lui donne le petit Zip. Pas de réaction, c'est vendu. Moi ça me va. Qu'est-ce que j'ai qui passe me voir de temps en temps? Le Holber Holkin, on va le changer. J'ai Bjorn TV. À moins que dans le chat, vous vous manifestez, ça va être rigolo. Bjorn. Voilà. Ah ok, ok, tu vas faire une chaîne Twitch, ça m'intéressera, tu me diras. Donc il reste un vaisseau de combat, le Faucon à renommer. C'est cool. Ah bah si Tranquille t'es là, cool aussi. Alors dans le hall, provisions nécessaires, tu veux des fruits et légumes, on peut gagner quoi? Un amortisseur d'impact, un guidage 2, moi je suis avec quoi, un guidage 3? Scanner à neutrons, Osef. Hop. Eh ben pour te dire, pour la chaîne Twitch, j'ai pris juste Streamlabs et j'ai fait un réglage de, par défaut de Twitch, selon mes capacités, pas de fibre, mais d'ADSL. Il a vu le PC, il a fait tout en version défaut, ce que je suis capable de faire. On va pas prendre des explosifs. Hein. À la limite du cuivre. Qu'est-ce que je sais fabriquer? Je sais fabriquer quand même beaucoup de choses maintenant. Est-ce que je sais faire un renfort de coque? Non, bah on va le démonter. L'accumulateur de flux. Alors l'accumulateur de flux utilisé pour charger les armes et autres appareils, sachant que je veux une raffinerie de flux. C'est ça. Est-ce qu'on a de la place, nous, tiens? Oh, on est à 58, on est au max. On va le déposer. On peut vendre l'or, c'est cool. L'argent aussi, enfin, ça on va garder. Gallium. On va tout déposer. On va vendre le gallium. On est monté à combien? Presque 50 000 crédits. Bon bah écoute, hein. On a quoi là? On a un pilote. On va l'appeler Papal Bator. Un ingénieur mitrailleur. Mini Papal. Voilà, et quand je suis dans un autre, il y aura Capilus évidemment. Ce sera excellent. Bon, bah on va libérer la flotte, on va continuer l'exploration. Ah, c'est quand même plus sympa, Soren, t'es niveau 27 en plus. C'est pas rien. On bouge. Oh, que c'est rigolo tout ça. Je me fais fouetter par Nelson qui veut sa pitance, mais il va attendre un peu. C'est à se finir non plus. Non, en fait, là, je vais surtout me concentrer sur les let's play que j'ai démarré. Il faudrait que je les finisse. Hein. J'ai Horizon à finir depuis. Pouf. Celui-là, je l'abandonne pas. C'est pour ça que j'ai fait un best-of fond d'écran pour les filles Blue et Pink. Voilà, Guide à Ferraille, décide d'énergie pour se voir P. J'ai du coup Dragon Gage Inquisition où je m'abuse bien. Bah, Elite, on va laisser tomber. On a Star Valor, on va aller jusqu'au bout. Satisfactory, l'aventure continue tranquillement. J'ai First Class Trouble qui m'amuse énormément avec les copains. J'ai testé en aléatoire avec d'autres gens, mais il est beaucoup de toxiques, hein. Beaucoup d'abrutis, pour rester poli. Donc c'est pas la peine. Des sales gamins, je sais pas comment vous pouvez appeler ça, mais. Alors que tu viens passer un bon moment pour rigoler simplement au Cluedo, donc bof. Donc il vaut mieux avoir ses amis et les motiver dans le jeu, quoi.
Mordok. Ah bah tiens, je vais donner le nom d'un vaisseau, je sens. Oui. On a fait le secteur, on est bon. On va aller à la porte de saut ici, pourquoi? On a deux pirates à tuer, minerais riches. Ah bah voilà. Alors soit on va à la porte de saut, soit je me warp, et en warp ça me coûte 5 cellules. Ah bah écoute hein, nous sommes secteur indépendant. Oh mais il a été exploré celui-là déjà. Allez, on va à la chasse aux pirates. On va miner et on va accoster. Et Mordok, tu vas gagner ton vaisseau. Pour me suivre dans mes aventures. Le v'là. Voilà, on va laisser la flotte arriver. C'est fait. Et on va aller voir l'autre pirate qui est en bas. Mais t'as bien raison de jouer Mordok, c'est le plus important. Ah, il prend cher. Ah, ça c'est fait. J'en ai encore un autre. Apparemment, il y a un troisième pirate. Un premier crâne rouge en haut. Ah, il s'est warpé, c'est pas vrai. En bas, on y va. La flotte encaisse bien, pas de panique, ils tapent tous la mule bêtement. On va t'avoir. Et voilà. Pirate notoire détruit. Ouh, il y a des astéroïdes juste là. Donc j'aurai des vaisseaux de plus en plus gros, je pense. Hein. Quelques petits, juste comme ça, pour pinailler autour, mais... Et du coup, c'est Soren qui mine. Ah, qu'est-ce qui se passe? J'entendais te dire. Soren, tu vas m'aider. Hop, opération minage. On va voir si ça marche. Tu t'approches. C'est parti. Et apparemment, on est bon. Ça marche, la config marche. Tranquille, est parti attaquer quelqu'un là, je le sens. Allez, on y va. Un pirate. Ailleurs rentre en... Ouais, c'est bon. Ok. Bon. Comment on voit qu'il y a des vrais astéroïdes? On a le radar, heureusement. Parce que c'est un peu galère. Et là, maintenant, c'est ultra rapide. On va lancer la fonderie. On a quoi? Un cristal vert, cool. Oh là là, le début de la fin. Mais oui, on va tout cramer. On est fort. Je suis rendu là. Je ferai une micro-pause dans quelques minutes. Dès qu'on est à la station, parce que j'ai mon chat qui me hurle dans les pattes. C'est un enfer. Il y a encore un pirate dans le coin. Non, je traverse les astéroïdes, moi. On y va. Voilà, je lui donne des ordres. Les raccourcis de clavier marchent. Oui! Très joli, très très joli, les gars. Bravo à vous. J'ai l'impression qu'on est en train de poutrer tous les pirates du système, là. Allez, Soren, c'est reparti au minage.
trouver ton astéroïde. Alors je le laisse tranquille. Tu vas faire ton astéroïde, voilà. Je crois que je vais lui mettre un refroidisseur pour l'arme. Et nous on est rendu même pas à 40% de la soute. Bah on y va franco. Voilà, c'est bon, Soren, t'as cassé ton caillou. La semaine prochaine, il y aura sûrement du Satisfactory, ça c'est clair aussi, tiens. J'en fasse un peu d'épisode maintenant, j'ai tout éclusé. On fera un point sur la chaîne tout à l'heure, si vous voulez, quand j'aurai fini Star Valor. Je vais voir où j'en suis dans mes let's play, on va discuter quelques minutes ensemble. Si ça vous intéresse, hein. Waouh, waouh, bah oui, oui, je sais. Il y a des assauts qui sont plus petits que ce que je peux voir, il faut que je zoome. Non, là, il n'y a rien. Mon radar me dit par là. Là, voilà, il y a un petit caillou, là. Voilà, sur un tel collecteur, tu ramasses les minerais. Et il semblerait qu'on ait tout pris. Bon. On n'a pas de station minière, par contre. On va à la station civile, on va accoster. Clac. Et du coup, je ne vais pas vous insulter. On va se faire une pause, mini pause café de 2 minutes. Il faut que je m'occupe de Nelson, parce que sinon ça va pas aller. Ça va être terrible. Donc je vous dis à tout de suite. C'était rapide. Oh là là, Mao Mao, mais tout le monde miaule dans ce coin-là. Heureux sur Star Valor, évidemment. Un épisode d'une heure, on peut bien faire une pause pâtée quand même. Nelson est heureux. Je sais pas où son grand frère. On verra. Bon, je vais crier ma grosse frustration sur les dangereuses, quand même pas de live en direct. Si je vais sur les planètes et les lunes, quoi. En vaisseau, il n'y a aucun problème, c'est léger. Fais suer. Crotte. Alors, on pourrait tuer un gros pirate. Pilote spatial niveau 5, je ne l'ai pas. Faudrait que je fasse du solo. Je pourrais faire du solo. Hein. Purificateur d'eau. Ouais, niveau 5. Il faut que je fasse du solo pour monter. Ah, ça va être compliqué. Comme on est dans le hangar, du coup, on va vider les stocks des camarades. Voilà, on a gagné la mission cuivre. Canon lourd ou apprendre générateur de bouclier. Est-ce que je sais faire un générateur de bouclier? Mais oui. En plus, je suis au tiers 2 et j'apprends le tiers 3. On est à 38,9.
Le canon lourd. J'ai appris une station d'armes 1. Alors ça, ne me demandez pas. On ne sait pas le faire, le canon lourd. Espace 4, mission pour canon. Ah, il est pas mal, hein. Vengi prend 2 de place. Ouais, 32 secondes pour un tir. Ah non, bah écoute, on va le démanteler. On a appris, il faudra redémanteler un canon lourd et on pourra apprendre comme ça. On a gagné un composant ardonien grâce à ça. Ouais, c'est cool. Ça c'est super, mission pour lance-missile, on est bon. De l'or, on peut pas vendre, l'argent non plus. Le lithium, on va le garder. Je vous expliquerai tout de suite après pourquoi. Le cobalt, on peut pas le vendre. On dépose la ferraille, on vend l'alu. Le nickel, on va tout vendre. On va déposer les cristaux. On a fait une bonne rafle. Hein. On va aller en fabrication. Voilà. Alors, en fabrication, il y a l'amélioration du vaisseau dans Star Valor. Et là, je pourrais donner un bonus, si vous voulez. Donc, la mule, j'ai fait un tiers 1, j'ai donné un laser ménage dégâts plus 10%. Et il nous faut, du coup, des composants de qualité pour ça. Si je vais dans le tiers 2, il nous faut des composants supérieurs. On pourrait faire le tiers 2, là. Ouais. Et en tiers 3, il nous faut des composants ardoniens. Voilà, c'est pour améliorer vraiment le vaisseau. Et il faut 2 composants pour faire quelque chose de correct, ok. Chaleur générée par la moins 10%. Distance de distorsion. Ouh, c'est cool ça. Portée des armes. En station, coût de réparation moins 20%. Efficacité plus 25 avec les drones. Si je tire mon arme vers Guy, j'augmente le cercle de dégâts là-haut de 50%. On va se faire distance de distorsion plus 20%, on va donner un bonus là-dessus. J'ai un émetteur, j'ai un régulateur, j'ai un composant, j'ai 5 composants de base. Voilà. Ça, c'est pas mal. Alors, on va retourner en fabrication. Si je veux faire un composant supérieur, il me faudra du silicium, je n'en ai pas. Il faut que je garde mon cobalt. Si je veux faire composant de qualité, c'est avec du lithium. Ça, je vais réussir à en fabriquer un. Ça reprend mes vaisseaux pour les améliorer. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Alors, on a quoi? On a 15 métaux. On a quelques compos. On n'a pas des masses de compos. On a fabriqué plein. On avait du fer et de la ferraille. Ça, c'est bien. Ouais, on va acheter des puces. Pour améliorer les autres vaisseaux, si vous me permettez. Paf! En bien de consommation, micro-puce. Alors, on a combien de compos? On a 19. On va acheter 18. Et on va se faire plein de kits verts. On en a 9. Et on a Francine qu'on va renommer. Et on va l'appeler Mordorg. Évidemment. Est-ce que tu veux que je t'appelle Mordorg 78 dans le vaisseau ou juste Mordorg? Clac. Alors, on a déposé les kits. Je regarde vite fait. Ok, c'est vendu. Donc là, tout est bon. L'antimissile n'est pas encore opti. Tiens, on va le demander. C'est pour détruire les drones ennemis et les missiles. En énergie, t'es bon. Ah, ça rigole pas, disons. Hein. C'est le faucon, ça, c'est le dernier vaisseau que j'ai eu. On va améliorer sa vitesse. On va améliorer le chargement de bouclier. C'est déjà pas mal. Bon, c'est 6. On va voir les autres copains. On va aller voir Soren pour le minage, parce que c'est utile aussi. Tout ça est vert, mais c'est le refroidissement qu'il faudrait voir. On va développer un peu l'énergie, réacteur à fusion. Voilà, ils sont tous green, ça remonte à 23.
cargaison. Ouais, mais ça augmente pas les équipements. Par contre, comme t'as un vaisseau minier, Soren, on va améliorer quand même ta cargaison. 40. Je vois pas. Il a pas pris en compte. T'as des missions de lance-missile, on va tout vendre. Ah, c'est monté à 42, voilà. C'est léger, hein. On va améliorer ton rayon collecteur aussi. Et le vaisseau, il est déjà bien. Bonus d'air critique, laser minage, non, il est top. On est bien. Il me reste combien? Deux kits. Björn n'est pas là, on va chez Tranquille. Tranquille, comment ça se passe? Ils sont déjà green, canon à ions et petit lance-missile. Mission pour canon, on va les vendre, n'utilise pas. On va améliorer l'énergie. Plus 10, on va améliorer un bouclier. Ou l'énergie encore. On est à 90 et là, on passe à 105 de bouclier. Voilà, on t'a amélioré, c'est cool. Alors, l'or, je peux pas le vendre, l'argent. On va récupérer ça. Le cobalt aussi. Les minerais, on va tout prendre, on va tout fondre. Ça, j'ai pas mis de raffinerie sur le vaisseau de Soren. Voilà, on est bien. Et là, si je veux, on est solo. Varzimi en combattant seul. Je ne suis que niveau 9. Ah bah, j'ai atteint le niveau 5. J'aurais pu faire les trucs du pirate. On va faire un petit test. On va voir si on peut ramener les autres vaisseaux. En warp aussi. Il y a un astéroïde qui est tout seul, là. Les salles rouges de l'alu. Est-ce que la musique est forte? J'ai pas pensé. On va baisser un tout petit peu la musique. Et on est reparti pour 25 minutes de plaisir. Débris en vue. Voilà, pendant ce temps-là, l'équipage, lui, bah, il se repose à la station, hein, ils font plein dans le bar, ils sont avec tout ce qui traîne dans l'espace. Nous, on fait le plein, là, c'est ok. Alors, si je reviens ici, 4 cuivres, ouais. On a la station, on a un champ de débris, il n'y a pas de pirates. On va voir, on va attirer un peu le chaland. C'est vrai que je pourrais enlever l'interface de la flotte parce que je ne lui ai pas demandé de me rejoindre pour l'instant. Bonne soirée à toi, Soren. Enfin, bonne soirée. C'est moi qui vais me coucher. Bonne journée à toi. Et on est en vue. On va pouvoir faire le plein pour se faire des warps à gogo. Débris de vaisseau. Et on a même looté un émetteur. On a des bonus puisqu'on a le niveau. On va prendre celui qui est en bas. On aura fait tout le tour du système. Oh, et puis on a une très bonne vitesse de pointe. Au départ, on démarre à 20. Là, je suis monté en vitesse à 60. Je sais pas si c'est même 10 au départ. Par contre, on a que 52 000 crédits. Hein. Pas terrible. Dernier champ, on valide la quête à la station et on va bouger. Et si je meurs, c'est pas grave, comme je vais faire une sauvegarde, le jeu n'est pas punitif. Il reprendra la dernière. Ah, vu le nombre de fois où je suis mort. Allez, on retraverse toute la map.
a bien réussi ces halos de lumière, hein, franchement. Avec les réacteurs, ça rend vachement bien. Et on a fini là-dessus. Tue un pirate, oui, on gagne quoi? L'armure aux ortrium. On va prendre la recette. Le canon lourd. Ah bah tiens. Ça valait le coup. Si je veux faire l'armure. Composant de base. Micro-puce. Ouais, c'est pas trop cher ça. Et le canon lourd. À miner du fer. Par contre, on a looté 19 ferrailles, hein, c'est énorme. On peut vendre de l'argent. Je me demande si on peut pas faire accoster quand même. Non. On peut sauvegarder ici. On ose ou on n'ose pas. 36-4. Si je vois, je suis au centre de la map. On va aller voir ce qui se passe. Je pense qu'on n'a pas le niveau pour le boss, par contre. Hein. Très clairement. Parce que la map est de quoi? Niveau 20. Oh, ça se tente, hein. Pour le fun. Voilà, la flotte m'a rejoint. Pour le fun, allons-y. On va tenter le petit pirate et pourquoi pas le gros. On va voir ce qui se passe. On va affronter un premier boss, mais niveau 20, c'est chaud. Ça serait plus intelligent d'aller dans une zone moins grosse. Ah ouais, il y a les deux qui sont là. Non, d'accord, c'est pas le boss en lui-même. Ok, ok. Et c'est qu'il se balade dans la map du boss. Mais par contre, ce serait bien d'aller voir un boss de plus bas niveau. Et voir ce qu'on peut faire. On va looter un peu. C'est quoi, des déchets? Des déchets. Allez, premier pirate. Mince, c'est la station Vengi, n'allez pas dessus. Eu. Par contre, il m'a poutré mon bouclier, lui, mais quelque chose de bien. L'autre pirate est un peu trop à mon goût. Voilà, le bouclier se recharge tranquille. Est-ce que je peux dire à Tranquille d'accoster dans mon vaisseau? Ah, ils peuvent pas. Il arrive vers nous, pirate. Ok. On va le choper. Je pense qu'il veut venir vers la station Vengi. Oh, par contre, l'arme Vengi. Ouais, d'accord. Et c'est bon. On va valider. Et j'ai envie d'affronter un boss, tiens. Mais un boss plus petit, hein, pas de niveau 20. On va retourner dans la zone de départ si on peut. Alors, qu'est-ce qu'on choisit? Laser léger, non. Bouclier lourd. Canon à ion. Ok. Le générateur de bouclier lourd, on va le démanteler. Ok, ça c'est bon. Et il me reste 52 cellules d'énergie. Est-ce qu'ils ont des trucs, les copains? Juste des déchets qu'on va vendre. On est ok aussi. On va refaire des composants de base. Je pense qu'on a ce qu'il faut. Alors là,
niveau 21, niveau 6. Ah là, il y a un boss. Ok, on a le symbole, c'est niveau 21. Je regarde un peu tout ce qu'on a fait. Pirate du crâne rouge. On en a un niveau 8, tiens, on va y aller. Alors attends, des débris ici, non. Sur quoi vous tirez? Voilà, on va sauver le civil, c'est bon. Ok, donc il y a un petit syndicat. Oh, il y a même un de niveau 2. Sérieux. Il est temps de nettoyer le monde de ton enfer. On a une station civile ici, on ferait mieux de faire une sauvegarde au cas où quand même. Je m'attends. Et en plus, c'est un territoire sombre. Nous sommes 5 vaisseaux, motivés. On va commencer à nettoyer la galaxie. Hein. Normalement, on peut faire la sauvegarde. Et on y va. Adieu, monde cruel. C'est parti pour le premier boss de la game. Il est temps, je suis niveau 27. Qu'est-ce qu'il va nous livrer dans le mal absolu? J'approche doucement. Hein, je sais. Ah, il y a des champs d'astéroïdes. Ah, c'est un ravageur boss, c'est ça? Les chevaliers arrivent. Oh, mais c'est bizarre. Sérieux? Je m'attendais à mille fois pire. On a nettoyé la zone. Ah bah on va se faire tous les boss, hein. Je m'attendais à un monstre, tu sais, de l'enfer. On va prendre le champ d'astéroïdes aussi, on va en profiter. Par contre, mon drone, il fait quoi, là? Il te soigne ou pas? Allez, bon. Des maraudeurs! Ah oh ben... Oh! Ça c'est fait. Et on va miner. Ouais, c'est bon ici. Une vitesse de dingue. C'est plus comme au début, hein. Ok. Il reste un astéroïde, je vois, j'y vais. Il est par là. Ah oui, tout petit. Ça va être la chasse au gros boss. On va essayer d'en trouver un autre. C'est quoi ça? C'est un radar. C'est tout. À chaque fois, je me fais un film sur les boss. Hein. C'est pas si dangereux que ça. Allez, on réactive Soren dans son rôle de minage. La raffinerie est activée, on est à 20%. Ah ouais, non, c'est bon.
Je laisse le rayon laser actif tout le temps. Relique ancienne détectée. Où ça? La voilà. Ouais, on va passer du violet en plus, c'est cool. On s'en moque de la zone morte, nous on loot. Du bleu. Et du rouge comme c'était la zone du boss. C'est parfait. Mon radar me dit que ça va. On va continuer par là. Il y a de l'argent. Ah ouais, non mais c'est bien. 65%. On continue. Je me gave. Alors, le radar me dit qu'il y a encore quelques petits astéroïdes. Voilà, on a tout fait. On va chercher un endroit où on a une station minière de la guilde pour tout vendre. On se fera du pèse. Champ de débris, on y va. Et il reste plus qu'à explorer au sud. Eh ben c'est beau. Il reste 24 cellules. Donc on a pas mal cramé là. On a encore quelques astéroïdes dans le coin, je suis gourmand. Voilà. Qu'est-ce qu'on décide? ?100% exploré. Société minière Proxima en 28-17. Ah ben on y va. Le système n'est pas très grand. On va économiser un petit peu nos cellules. Et on va chercher un autre boss. Allez, tranquille, te ramasser des déchets, c'est pas normal. Il faut laisser ça. Et ça va pas suivre si on change avec le portail, normalement, ça va être bon. Minière juste ici, on est bien. On a un champ de débris en haut pour aller voir, pour choper aussi les cellules. Et on se gare bien. Médicaments. Non, on n'a pas besoin, on est allié de toute façon. Côté vaisseau, on a 77 000. Faucheur est un yak, c'est pas mal, police de pilote. Réplicateur de munitions en plus. Le fléau. Et le juggernaut. Oui, ça c'est la station minière. De toute façon, on sent... Oh, une relique. C'est pas vrai. Allez, go l'attraper. On l'a eu. Je me demande ce qu'il y a là-bas. C'est pas une cabine de sauvetage, hein, ça a des déchets. Hein. Analyseur de débris. Ouais, bon, OSEF.
t'as eu chaud, toi. On a appris le laser de réparation simple, c'est cool. Le laser de débris, on va le démanteler. C'est ce que j'ai, hein, de toute façon. Ah, je suis en 1 point aussi, ouais, d'accord. Il est mieux. On va démanteler le normal. Le réacteur nucléaire, on va le démanteler. Hein, pas. Non. L'or, on va vendre. L'argent, oui. Métal, on dépose. Lithium, on garde. Cobalt aussi. Je suis embêté, là. En fabrication... On a deux composants de fabriquer, c'est cool. Grâce à l'aluminium et au lithium, ça c'est fait. En supérieur, on peut avec le silicium, ça y est, on a. On a pu en fabriquer un. Composant de base. On a fabriqué 7, on dépose. Du coup, on va vendre le reste du fer, le reste de l'alu. Et maintenant, on va s'améliorer un peu. Les Vengi, on va peut-être pas l'améliorer. Module impulsion lourde pirate. On va prendre une relique ancienne. On fait du 52, 41,6. Hein. Ouf. On va monter déjà à 64 rien que ça. On va augmenter l'amplificateur de vitesse. Qui est à 27,6. Et qui monte à 32. On va améliorer le laser de débris d'astéroïdes plutôt. D'astéroïdes, évidemment. Si vraiment on peut sélectionner, butin de minage plus 45%. Il me reste plus que 32 munitions de lance-missile. Alors, on va vendre ça, sans garde. Acheter, on est rendu à 87 000 crédits, mais c'est énorme. Est-ce que ça va se stacker avec l'autre? Ça ferait une centaine de missions de lance-missiles, ça ne se stack pas. Parfait. On ressort la flotte. On a un petit champ de débris là, on va aller le voir. Et on va se chercher un dernier boss pour cet épisode. Très rentable, très juteux. Donc maintenant je monte en vitesse à 72. Ah non mais c'est énorme. La flotte a du mal à me suivre. Hein. J'ai le record de vitesse là, absolu. Et qu'est-ce qui se passe ici alors? Donc là... On a un petit boss là. On y va. On a une cage de pirates, on a un champ de débris. On va aller à la station civile déjà. On va finir par les pirates et ensuite le boss. On va voir les missions. Pirates notoires. Maintien de la paix, c'est ça. Ça, on l'avait fini. Laser moyen. Ok. Il n'y a pas d'autre. Oh, à mon avis, lui, il va payer. Oh, c'est immédiat. Eh ben on part sur le boss de niveau 8. C'est ça. On y va les amis. Je vais pas aller trop vite parce que sinon... Ils vont couiner. Ah, il y,
y a un champ de débris là, attends. Donc maintenant, il va falloir que je booste tous les petits vaisseaux pour que ça suive en vitesse. Hein. Le plus gros est punchy. Le boss est en bas. Tranquille, me suis de près, bien aussi. Après, Mordor et Kessoran, ce sera eux qui seront à booster en priorité. Alors, quoi ? Oh, c'est un ravageur boss niveau 11. On est parti ! Il me fait mal, hein ? Soren n'a pas aimé. Allez, on tourne autour. Mordor, je le pilonne ! Mais carrément, quoi, il est trahi aussi. Punaise, on a réussi, on a gagné du loot. On a eu mal. Hein. On va réparer tranquille en priorité. Bon, ça c'est fait. Soren s'est mis à l'abri, on va le réparer après. Tranquille, c'est bon. Bjorn, vas-y. Victoire quand même. On va libérer cet univers galactique de toutes les saloperies, pirates et autres. On a oublié un point. Faut que j'augmente un peu mes points de vie quand même. J'ai pris très cher. Et je suis resté statique, c'était une erreur. Alors Bjorn, c'est bon. Mordorg, on te répare. Où est le drone ? Ah, le v'là ! Ah, il était un peu loin, le pauvre. On va tellement vite, j'ai perdu mon drone. Comme ça, ça évite les frais de réparation en station, c'est pas mal aussi. Bon, l'arme Vengi, je vais la remplacer. Hein. On va mettre le canon, je pense, hein, si on peut. Mais... Après, mais je ne peux pas réparer plusieurs vaisseaux en même temps. Je n'ai pas encore ce moyen-là. Ni plusieurs drones en même temps, je peux pas. Alors que j'ai vu ça en vos vidéos, c'est possible, on peut mettre 2 à 3 drones en même temps. Il y a des pirates qui le font. Bien. On va ramener Soren avec nous. Et le drone, vas-y, fais ton taf. Ah, j'espère qu'on va pas se faire agresser tout de suite par les pirates, parce que sinon il va se faire poutrer. On va y aller en douceur. On va rester caché sur le gros astéroïde. Voilà. On se met en pause. On va les attaquer après. Histoire 2. Ça m'a l'air bon. Hein. Ça m'a l'air bon. Répare-moi. Et on approche. Du coup. Il m'a pas beaucoup de 2 points, c'est tout. On va aller voir un peu les pirates. C'est juste pour gagner des points de flotte. Ce qui est indispensable. Oh là là, ça lance du missile. Voilà, on y va. Pendant ce temps, moi j'occupe avec le gros et ça marche, nickel. Tiens, voilà encore un. Bah voilà. C'est fait. On va explorer le système en entier et puis on va accoster l'aventure d'aujourd'hui. Et finir sur Star Valor. On est revenu aux sources. Et ça fait du bien.
Bonne journée à toi, Mordorg. Le boulot, bah oui, je sais. Merci d'être resté un petit peu avec nous ce matin. C'était super sympa. Ah, une agression au loin. Aucune chance maintenant. Hein. Les gars, on est sans pitié avec eux. Et on accoste. On va laisser tranquille réparer. Tout le monde est à bon port. J'attends le dernier, Soren, qui arrive. Ah oui, en effet. On va regarder vite fait. Module d'impulsion simple. Et amplificateur vitesse, tu n'as pas ? Ah, c'est chaud. Ah, attends, parce que le module d'impulsion, lui, il prend deux places. Petite max 23, c'est pas terrible. Ah bon, il traîne. Et le sujet monte à 12. Qu'est-ce que je pourrais enlever sans te pénaliser? J'ai obligé de garder la distorsion, on n'a pas le choix. Il est quand même pas mal, hein, l'espace de cargaison, il est énorme celui-là. Tiens d'ailleurs, au passage, hop, tout déposé, on va vendre les déchets. On pourrait virer l'ordinateur de combat. Non, puisque de toute façon, il prend aucune place. On va enlever le professeur latéraux. On va l'équiper. Non, c'est bon. C'est fait. Eh bien, écoutez, on sauvegarde. Et voilà. C'était chouette. C'était Star Valor. Au moins, ça va remonter de morale par rapport à Edith Dangerous. Oh, punaise. Ah, on se récupère comme on peut moralement. Donc là, c'est pour les vignettes YouTube. Et puis, je fais un point actu avec vous. J'en suis sur YouTube, évidemment, sur Twitch. Tout de suite.